Hey, salut bande de frites irlandaises du Nord. Allez, les gars, donnez-moi des idées d'intro parce qu'elles sont éclatées. Donc aujourd'hui, on va faire deux secrets que je vais vous montrer. Donc, let's go, c'est parti, on lance Dying Light 2. Voilà, petite image, je vais vous dire. D'abord, on va avoir un secret zombie qui danse, comme dans Dying Light 1, que je vais pas montrer parce que j'arrive pas à trouver le truc. Et le deuxième secret, ça sera un secret de Cyberpunk 2077. Voilà, tant pis, je suis belge, je dis 2077. Compris? Capicho muerto del pollo. Donc, je ferai des cuts le temps que j'arrive aux endroits. Et vous inquiétez pas, je vous montrerai quand même l'emplacement de l'endroit quand j'y serai arrivé. Donc, voilà, let's go. D'abord, donc je vous explique comment ça va marcher. Hein. Je vais montrer le truc, ça va faire un cut, et vous, du coup, ça va prendre zéro temps, et je vais et le cut, et la vidéo recommencera au moment où on sera. Donc, on va voir dans quelle partie. Je crois qu'on est, ouais, on est là-bas. Donc, voilà, ça va être, ça se joue là. Il y a un terrain de foot quelque part, donc je sais pas où encore ça se joue, mais quelque part par là, je crois. Je sais que c'est vers le haut. Bah, au pire, on va quand même faire d'abord le truc qui est assez loin. Il va falloir se rendre à la tour VNC. Donc, tour VNC, elle est là. Donc c'est parti, on va à la tour VNC. Let's go, tour VNC. D'abord on va quand même faire la caisse, mais j'avais déjà fait la caisse, ok, donc j'ai soin. Donc c'est parti, on va y aller, c'est là-bas, et c'est vraiment bien comme secret, vous allez voir. Donc, il faut arriver à la tour VNC. Donc voilà, à tout de suite. Voilà. Et il va falloir se rendre tout en haut. Ouais, je m'amuse beaucoup avec le grappin. Donc il va falloir rappeler l'ascenseur. Très bien, oui, mais on sait tous qu'il y a ça et tout. Mais les hommes de Raider, c'est sur un bâtiment à côté, c'est une bonne façon de faire. Vu que c'est la tour la plus haute, c'est comme ça que je vais au haut de la tour et je vais faire le cut. Et là, on se retrouve juste à côté. Et c'est bon, nous sommes arrivés à la tour VNC. Donc il va falloir, normalement vous allez voir un airdrop. Donc ça doit être, c'est une tour juste à côté d'un airdrop. Je vais vous la montrer si j'arrive à la trouver direct. Je vous dis que ça va pas être très simple de la trouver parce qu'avec le brouillard qu'il y a dans le jeu. Ici il y a un truc qui va être utile. Pour l'instant je vous en dis pas plus. Je ne sais pas par où il faut passer, je me sens plus strictement brouillard. En fait si vous apercevez deux tours. Genre si vous voyez deux tours, une avec un airdrop et une autre à côté, c'est bon. Que celle-ci là-bas. On va regarder, je suis pas sûr. Mais... Donc, ouais, je galère un peu parce que je ne me souviens pas trop. Ouais. Vous voyez cette tour là? Là, il y a le tour airdrop et voilà. Vous allez devoir utiliser votre parapente. Donc, je sais pas si j'aurai assez de trucs. J'ai un peu peur que j'ai pas assez. Si j'ai pas assez, je recommencerai du coup. Ouais, j'aurais peut-être pas dû taper un speed. C'est en train de niquer mon énergie. J'ai pas un truc d'énergie. Putain, j'ai pas de truc d'énergie. Je vais me niquer contre le sol. Quand vous êtes dans les airs, je pense pas qu'on récupère. On s'est accroché. Ça va en fait, on garde le parapente, c'est juste qu'on arrive plus à avancer. On va aller en bon. On peut crever, c'est bon. On va recommencer.
Voilà, on se retrouve juste après. Si, normalement, si vous avez la chance, j'espère avoir la chance, putain, parce que vous allez m'énerver sinon. Est-ce que vous sortez mon seum? Ben voilà, mais j'ai pas eu la chance. Donc si vous avez de la chance, vous allez avoir quelqu'un ici. Quand vous allez finir de lui parler, il y aura une caisse ici. Et dans la caisse il sera. Et là, vous pourrez avoir une arme de cyberpunk. Voilà, si je me pète les couilles. On va retourner sur cette tour parce que j'ai vu parce qu'il y a un deuxième secret que je vais vous montrer. Pour avoir un balai. Ouais, un balai magique. Oui, vous allez pas me croire. Donc on se retrouve quand je l'ai trouvé. On va quand même dormir parce que frérot faut faire ça deux jours. Oh c'est bien, on se transforme pas sous les lampes. Comme ça. Genre voilà, on s'est pas transformé. Oh, mais... Ah oh, mais ouais, arc de base, mec, tu fais ça. Je suis prêt à vous mettre dans... Ouais, on a 10 minutes. Bah voilà. Là. Vous voyez, la grue. On va aller sur la grue. Donc je vous montre, c'est... Quand vous êtes tout en haut de la tour VNC, c'est ici. En bas, à gauche. Non, à droite. En bas, à droite. Et donc, il va falloir chuter. Si on n'est pas au mauvais, voilà, comme moi, par exemple, si on n'est pas mauvais. Donc, moi, je suis mauvais. Je suis éclaté, les gars. Bravo. Je commence à détester ce jeu. Allez. Allez, à tout de suite. Comment ça grave me détester. Les gars, sentez la haine dans ma voix. Vas-y, chute. Bon, viens rattraper la chute. Oui, oui. Chut. Rattrape. Oh là, putain, on a réussi. Ok. Maintenant, faut juste faire. Le voilà. Ok. Allez, on va spammer et on se retrouve quand c'est bon. Oui, je pense que c'est bon. Allez, plus que quelques secondes. Ça a été très long. Hein. Il était pas comme ça de base. Il fallait appuyer beaucoup de fois. Ok, c'est bon. Allez, on l'utilise. Le défi ne peut que commencer pendant. Pendant la nuit, voulez-vous accéder à cette phase de la journée? Oui. Allez, on démarre et normalement à la moitié du truc. Donc, parti. On peut dire que la moitié de l'histoire de à 9, on peut s'arrêter. Ok, donc maintenant il va falloir quitter. Comme ça. Et quand vous allez revenir dans le jeu. Vous aurez le balai qui est un moyen de déplacement qui ne va pas enlever votre parapente comme pour l'overboard. Vous allez quand même garder votre parapente en plus, c'est juste que vous avez un objet dans votre stuff, ça sera le... C'est pas mal, vous allez voir. Donc là on est de nuit, hein. Faudra qu'on ait deux jours.
Et normalement, je dis bien normalement, on doit avoir le tout dans le stuff. Pas obligé de faire genre moitié pile, hein. Vous en faites quelques-uns et puis après c'est bon. Donc moi j'en ai fait 7. Et si ça marche avec 7, bah je peux faire avec 7. Voilà. Donc voilà, on va avoir l'objet dans notre stuff si tout s'est bien passé. Et si c'est pas assez, frérot, je vais recommencer la course, rien à foutre. Mais je veux ce truc de mon stuff, j'ai pas fait 6000 sauts pour rien. Mais du coup, je vais respawn sur la grue, hein. Rassurez-moi, je vais pas respawn sur le toit. Parce que si je dois tout me retaper. Est-ce que là, du coup, dans mon stuff, je l'ai? Je sais pas, là, je suis mort de chute. Normal, ça a éteint le truc. Est-ce que j'ai mon truc dans mon stuff? Est-ce que j'ai le balai? Si j'ai le balai, les gars, on est bon. Ok? On réapparaît, donc j'ai spam plein de fois le bouton. Est-ce que je l'ai? Eh oui, le voilà. Donc vous pouvez l'équiper. Il est là. Et donc quand je vais faire ça, vous allez voir qu'on a le balai. Voilà, c'est très stylé, hein. Ok, non, arrête. Si. C'est très stylé. Juste, j'ai pas compris pourquoi ça active mon truc. Donc, on va dormir. Ah, voilà, quand même. Donc, je vais pouvoir aller vous montrer le truc dans le jeu d'Indorf. C'est le truc de foot que ça fait. Ouais, je voulais le faire en premier. Mais normalement, je trouvais plus la place. Donc, on va mettre ça là. Mais pourquoi ça fait ça auto? C'est juste que tu peux l'équiper, mais il va se mettre tout seul. Faut juste pas l'équiper direct parce qu'il va se mettre tout seul en fait. Ah oui. Allez, c'est bon, nous l'avons trouvé. Regardez, c'est juste ici. Donc voilà. Vous allez arriver ici, vous allez avoir une balle, vous allez avoir une balle. Ça c'est juste le seul problème, c'est qu'il va s'activer tout seul. Regardez. Voilà. Et le but ça va être de mettre dans le goal les balles, comme ça. Il va falloir faire 9 goals, donc je te trouve quand j'ai mis les 9 goals. Et le secret n'a pas marché. Normalement il consiste à nous faire spawn un malabar qui danse. Ça n'a pas marché. Si vous le faites, faites attention parce qu'il attaque. Voilà. J'espère que vous avez plu, même si c'était un peu éclaté parce que bah, y a eu plein de bugs. Mais dites-moi aussi c'est quoi votre histoire préférée entre ce que vous avez vu peut-être. J'espère que ça vous aura plu, hein. Ouais. Au revoir tout le monde.